Bonjour, bonjour les loulous, bonjour à tous. Alors oui, aujourd'hui nous sommes jeudi et le jeudi normalement c'est sport. Et oui, mais ce matin j'ai dû venir à l'école pour commencer à préparer hein, tout doucement la réouverture. Alors les grands ils disent le déconfinement. Ça veut dire que tout doucement, en prenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions, hein, on va pouvoir accueillir quelques enfants. Voilà, alors c'est tout doucement. Parce que le virus, la petite, toute petite chose qu'on ne voit pas, elle est toujours là. Elle continue à nous embêter. Il faut être très prudent. Il faut faire, vous le connaissez maintenant, vous le savez, les gestes barrières, hein, se laver les mains, les grands. On portera le masque, on se lavera les mains très souvent, on prendra la température, tout ça. C'est toute une organisation hein, pour faire que tout doucement, il y a des enfants que les papas et les mamans travaillent, ils ne peuvent pas faire autrement, ils vont les remettre à l'école. Alors, je prépare, hein, je vais avoir du scotch pour faire des flèches, tout ça. J'ai un ruban pour fermer certains jeux, hein. On ne pourra pas aller au toboggan, on ne pourra pas aller jouer dans la grande salle, faire du sport avec tout le matériel, tout ça, on ne pourra pas, hein, pas encore en tout cas. Hein. Donc il faut que je prépare tout ça. Et j'ai amené aussi... Vous connaissez ça? Ouais, c'est une règle, mais surtout c'est une règle d'un mètre. Un mètre. Voilà, un mètre. Alors le mètre, ça a été inventé il y a très longtemps par les Français d'ailleurs. Hein, les Français, un jour, ils ont fait la Révolution. Et pendant la Révolution en France, on a dit, il faut quelque chose que ça soit pour tout le monde pareil, partout. Donc on a dit, voilà, ça, c'est un mètre. Alors ça aurait pu être comme ça aurait pu être comme ça. Hein, mais non, 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 on a dit, c'est ça, un mètre. Donc on a le mètre. Et avec ce mètre... Il faut que je regarde que les enfants soient toujours à 1 mètre. Ouais, c'est ce qu'on appelle la distance de sécurité. Hein. Donc, il faut que j'organise un peu tout pour pas que les enfants soient, et les adultes aussi, hein, attention, les adultes aussi, ne soient pas trop proches. Hein. Alors, vous voyez, c'est quand même beaucoup de nouvelles règles. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. On n'a pas encore fini, hein, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure. Le tout petit microbe, là, il est toujours là. Le président, il a dit qu'on était en guerre. Vous êtes un peu petit, mais c'est vrai que demain aussi, c'est un jour un peu spécial, demain vendredi. Il n'y aura pas de vidéo demain vendredi, puisque demain vendredi, c'est un jour, ce sera le 8 mai. Et le 8 mai, alors le 8, vous vous rappelez, voilà, le 8, ah, il est là, mon marqueur, hein, 8, c'est un chiffre infini, il ne s'arrête pas de tourner comme ça. Vous pourrez vous entraîner à l'écrire. Le 8, le 8 mai, c'est un jour où on doit se rappeler que avant, quand il y avait nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, il y avait la guerre en France. Il y avait des soldats, tout ça. C'était pas très joli. Et pour pas oublier, eh ben, de temps en temps, on fait un jour pour se souvenir. Et demain, vendredi 8 mai, eh ben, c'est un jour pour se souvenir comment c'était dur la guerre. Alors aussi, aujourd'hui aussi, c'est pas toujours facile, hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui soignent les gens, c'est très difficile, pour prendre beaucoup de précautions. Et nous aussi, à l'école, on doit prendre beaucoup de précautions. Donc je suis venu aujourd'hui pour préparer un petit peu tout ça, pour regarder mon matériel, hein. Je sais que vous n'allez pas tous revenir, hein, heureusement, hein, parce que alors ça serait encore beaucoup plus compliqué. Que les papas et les mamans s'occupent bien de vous, ça je le sais aussi. Je sais qu'ils vous aident, qu'ils vous font faire des devoirs, que vous apprenez plein de choses, que vous faites des gâteaux. J'aimerais bien un morceau des gâteaux, mais bon. Mais bon, je sais que tout se passe quand même très très bien, hein, que les papas, les mamans, les tontons, les grands-parents, hein, les mamies, tout ça, ils sont là avec vous. Que on va commencer tout doucement à pouvoir ressortir, tout doucement, aller un petit peu se promener, tout ça, tout doucement, en prenant beaucoup de précautions. Hein. Vous n'êtes plus des bébés, hein. Il faudra bien écouter les recommandations des grands.
Voilà les loulous, donc aujourd'hui évidemment je ne suis pas en tenue de sport, je ferai le sport après, hein, à ma maison, je ferai un peu de karaté, enfin voilà quelque chose. Vous pouvez toujours refaire avec les vidéos, hein, qu'il y a encore sur l'ordinateur, hein, heureusement, ça sert aussi à ça, de refaire les choses. Hein. Restez bien en forme, soyez bien sage, écoutez bien les recommandations, hein, les règles, hein. Et je vous dis à très bientôt. Hein. Surtout n'oubliez pas, hein, les loulous, n'oubliez pas. Je vous vois. À bientôt les loulous.